toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un jeu du nom de Craven Manor que je vous enregistre pour la troisième fois parce que le montage plante à chaque fois. Donc j'espère que cette fois est la bonne. Donc comme il a des bugs de sauvegarde, ce qu'on va faire c'est que je vais faire toute une traite et si c'est trop long, je vous couperai sauvagement en plein milieu de quelque chose et puis voilà. Mais je n'arrêterai pas. Donc on recommence du début. Pour ce qui est des traductions en anglais, je vous mettrai la traduction par-dessus si j'y arrive, parce que je comprends vraiment pas tout dans ce jeu, donc voilà. Ne serait-ce que comprendre. Alors voilà, donc... où est-on? Donc du coup, je vous dirai où je me suis arrêtée. Je me suis pas arrêtée à peu près au même endroit les deux fois. J'ai dû faire 20 mètres de plus, vu que j'ai tendance à sauvegarder aux mêmes endroits. Du coup, j'ai tendance à faire planter le jeu, et par conséquent, à corrompre les vidéos d'enregistrement aux mêmes endroits à chaque fois. Donc vous l'aurez compris, si on meurt, c'est foutu. Si on meurt, c'est foutu. Oui, W, oui, c'est un QWERTY encore. Un truc que je n'arrive pas à régler, effectivement. Je peux sauter? Non, je ne peux pas sauter, donc ce n'est pas grave. Puis-je courir? Oui, je peux courir. Oh là, c'est vrai, j'avais oublié. Alors voilà, voilà, je vais vous faire lire les trucs sans vous les traduire du coup. Voilà, il parle de l'architecture de la maison et ça c'est mon chien, c'est rien du tout, ne vous inquiétez pas. Là il parle de livres un petit peu occultes. Et comme je peux pas vous traduire exactement, j'essaie de vous dire. Histoire de me sentir utile, pour le coup là je n'ai aucune idée. Alors là, ça c'est important, il faut que je vous le fasse lire également. Voilà, une statue de bronze se tient sur le piédestal, on dirait un homme. C'est important par rapport à quelque chose qu'on va lire un petit peu plus loin. Vous allez très vite comprendre pourquoi. KM. KM comme ce qui est en haut, comme Craven Manor. Je l'ai compris la troisième fois. La deuxième fois, pardon. Donc voilà. Voilà blabla, alors je... voilà. Il faisait des expériences bizarres qui ont été des échecs, et puis au bout d'un moment, un esprit s'est manifesté, donc il était très content d'avoir fait ses expériences occultes. Et nous aussi, nous en sommes très contents d'ailleurs. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Des livres étranges, allez hop. Il va bien, il va bien, il attend juste... Attendez, attendez, je vais vous faire lire ça. Là, il fait chaud, ce n'est pas normal, il est censé y avoir personne, c'est censé être abandonné. Une adolescente a disparu, elle s'appelle Marjorie Edgepet. Une coupure de journal en parle. Voilà, donc là, il parle des lampes, blablabla. Je commence à connaître du coup à force de le refaire ce passage. Ça commence à rentrer, donc voilà. Je peux vraiment pas sauter, c'est bizarre. Ça me perturbe de pas pouvoir sauter. Donc voilà, voilà, l'enfer éternel, blablabla. Toile d'araignée, blablabla. Ah ! Voilà, les corps astraux ne sont pas censés faire de bruit. Qu'est-ce qu'on peut lire encore ? Ça, voilà. Les frontières entre la sorcellerie et les femmes malades. Mentalement malades. Voilà, donc là. Voilà, nous avons trouvé le modèle d'une cave à vin. Cela ressemble... Cela semble correspondre au modèle que nous trouvons dans l'entrée. Je suis désolée pour ces hurlements. Malheureusement, je ne... Je peux pas tourner ailleurs que chez moi et malheureusement je ne peux pas le faire taire ni le prendre avec moi vu que si je le prenais avec moi il resterait assis à côté à hurler exactement de la même manière donc ça ne vous changerait rien du tout, je suis désolée. Oui, parce que ça ne le rassure pas vu qu'il n'est absolument pas inquiet, il pense que hurler à la mort fera rentrer ma mère plus vite. Donc voilà. Ce n'est pas le but. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà, ce sont les modèles.
Et nous, on va rajouter les trucs comme ceci. Donc, on va rajouter la cave à vin. Je vais les mettre exactement comme je les avais mis la dernière fois. Je pense pas que. Enfin, je sais pas si ça a une quelconque influence ou autre, mais. Mais voilà. J'ai tendance à être plus rassurée, voilà, en faisant exactement comme j'ai fait à chaque fois. Donc, ça me plaît mieux. Alors que j'ai. Blablabla. Alors que je revenais sur mes pas, le verre de la table s'est brisé. Par qui ou par quoi, je ne suis pas sûre de ce que je veux découvrir, de ce que je veux savoir. Alors que j'ai ramené le modèle près du modèle de la table, cela a échappé de mes mains et s'est positionné sur la table, comme si cela voulait être là. Ensuite, j'ai entendu le bruit de pierre contre la pierre, frotter contre la pierre. Si je me souviens correctement, un modèle de la librairie était attaché précédemment, et maintenant, il n'est plus là. Donc la librairie, c'est de là qu'on vient. Et, ah oui, là, c'est important. On revient là, et là, on nous dit, oh, un piédestal complètement vide. Et là, on peut voir la jolie peinture qui était derrière. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors par contre, ça ne m'arrange absolument pas de vous faire tout d'affilée parce que faire des pauses dans le jeu, ça me plaisait pas mal. Enfin bref. Enfin bref, enfin bref. Soyons courageux. Je sais ce qui va se passer et c'est justement parce que je sais ce qu'il va se passer que je n'en suis pas courageuse du tout. Donc voilà. Des passages secrets, des murs qui bougent. Devant la blablabla, devant l'usine, blablabla, des composants étranges. Donc là on y va, voilà, c'est super. Donc là il y a des griffes sur la peinture, des traces de griffes. Hein. La peinture est déchirée. Putain de merde. Je le sais à chaque fois, et à chaque fois ça me fait peur. Vraiment. Je sais pas ce qu'il a ce jeu, mais il me fait peur. C'est bizarre. C'est rare pourtant, mais celui-là il me fait peur. Et je vous le fais quand même. Ouais, mais bon, au début je le savais pas. La première fois que je l'ai fait, et puis comme j'avais décidé de vous le faire, et bah je m'y tiens, puis c'est tout. Parce que c'est comme ça. Parce que sinon ce serait lâche. Je me dis, ah, oh, l'enregistrement, le montage a foiré, donc j'arrête là, je ne le fais pas, tant pis. Puis les autres ne marchent pas, donc je suis obligée de vous faire celui-là. Ça fait une semaine que vous n'avez rien eu. Et si je ne vous le fais pas cette semaine, vous n'aurez rien dimanche non plus. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que le jeu que je veux vous faire. Sortez. Plante. Que tous y plantent et que celui que je veux vous faire, là, eh ben, il me fait peur. Donc voilà. Oh, mince, ça a disparu. Adé, 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 adé. Et là, il y a un truc normalement sur le mur qui va apparaître. Ah, blablabla. Mais là, pour l'instant, on se contente de nous faire peur, donc voilà. On nous fait croire qu'on est prisonnier, pris au piège. Donc là, on prend le modèle. On fait J. J'ai vu quelque chose qui me regardait dans la pénombre, se cachant de la lumière. Je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas sûre de ce que c'est, mais j'espère ne jamais le revoir. Je suis tombée sur un autre modèle de pièce. Apparemment, c'est celui de la chambre. Oui, c'est celui de la chambre. Donc voilà, donc nous, on se rebarre. On sort de là. On rentre chez nous. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ah! Zut, 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 zut. Donc voilà, donc ça, c'est fait. Et la chambre, je l'avais mise là, ici, en haut à droite. Voilà, je préfère. Donc là, on va aller fermer la porte, si vous voulez bien. Mais de toute façon, il est dans la chambre, donc vous vous en doutez. Donc voilà, donc je vous disais, tous les autres jeux que je vais vous faire, j'ai toujours le bug de la caméra qui tourne à 360 degrés. Et les autres, je ne les ai pas encore téléchargés, donc voilà. Donc il reste que celui-là qui me fait peur malheureusement. Donc voilà, pas le choix. J. Peut-être que la chambre aura les réponses à mes questions. Maintenant, il n'y a aucune réponse, mais c'est. On n'a pas le choix, quoi. C'est comme ça. C'est pas de bol, et puis c'est tout.
Donc là, on va fouiller un petit peu la pièce. Je vais vous montrer à quel point ils sont sadiques. À quel point ils sont sadiques. Donc là, on peut rien lire encore. Ah si. Ici. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a des diagrammes et des schémas de dents humaines. Là, c'est quand même la clé, hein, bien sûr. Voilà. Donc on est obligé d'aller dans cette pièce. Obligé. Et c'est tout en suggestion, en fait. C'est ça qui est assez flippant. Donc là, on démonte sur quelqu'un. Pour l'instant, il n'y a rien. Là, une tête de méduse, je vais vous la remontrer encore parce qu'à chaque fois, je la trouve impressionnante. Déjà, les peintures de méduse, c'est hyper rare. Mais qu'elles soient comme ça, je sais pas ce qu'est cette peinture, mais j'en suis vraiment curieuse parce que j'en ai pas vu souvent des peintures de méduse. Celle-là, je la trouve vraiment, vraiment réussie en fait. C'est vraiment impressionnant. Repérez bien ça, hein, c'est très malin ça. J'ai trouvé ça très sympa, très bien trouvé. Là, c'est une boucherie, hein, des gens qui mélangent d'hommes et d'animaux. Un truc bizarre, voilà. Donc là, c'est un homme à genoux qui se penche avec la tête submergée dans un truc de bronze. C'est important aussi pour la suite, c'est pour ça que je me permets de vous le traduire de manière totalement scandaleuse et ratée, parce que c'est important. Là, ce sont des animaux. Là, ce sont deux femmes en train d'égorger un homme. Enfin voilà. Voilà. Là, c'est une orbe en verre. J'ai l'impression qu'il y a une charge électrique à l'intérieur. C'est une armée de statues de bronze. Que je trouve très réussie à chaque fois. Et là, c'est. Voilà, apparemment, son père le battait, sa mère ne faisait rien. Et il dit que les voir mourir a été une épiphanie pour lui. Et qu'il y avait une beauté dans la mort qu'il n'oublierait jamais. Donc toujours le Craven Manor sur le lit. Toujours très spécial. Là voilà, nous sommes enfermés à clé, nous sommes obligés d'ouvrir ce coffre en bois. Donc bien évidemment, tout le monde se dit, oh, il y a un corps dans le coffre en bois. Ou alors il y a la statue, mais non, pas du tout en fait. C'est juste encore plus sadique que ça. Donc voilà, un vieux coffre en bois recouvert de sang. Et là, une photo avec 6 hommes et 6 femmes nus et recouverts avec des trucs rouges. En train de danser autour d'une orbe en verre, comme celle qu'on a vue je pense. Et apparemment ça se passe au niveau de la librairie. Et là voilà, on se retourne et il y a un pied. Qu'on se dit, oh, un pied. Et puis voilà, quand on avance, bah, ça bouge. Et ça, je déteste ça. Je déteste ça, c'est vraiment... Ça me fait peur. Voilà. Et là voilà, ils nous font l'ombre. Ça franchement, c'est génial. C'est vraiment bien trouvé. Attendez, j'éteins, on verra mieux. Vous avez vu? Je trouve ça... Ça, franchement, je dis chapeau. Et là, ça tombe. Je trouve ça tellement bien fait. Là, on retourne dans la pièce. Et là, on va courir vite, hein, parce qu'on est... Ah! Là, on va trouver la solution. Il y a le truc qui nous attaque, mais nous, on n'a pas forcément envie de se faire attaquer. Parce qu'on ne veut pas mourir, parce que si on meurt, et bah, on repart de zéro. Or, ce n'est pas le but. Donc là, un homme en train de se faire endormir au chloroforme, j'ai l'impression. Des gens qui regardent toujours aussi glauques. L'horreur vit dans le noir, un endroit entre la curiosité et la folie. Je peux le sentir, cela cherche à me détruire. Donc là, on se sort de ce pétrin, voilà. Sans demander notre reste. On va prendre le modèle. Des notes, voilà, blablabla. La nature des limbes s'est révélée à moi. C'est un réceptacle pour l'essence de la vie. Les esprits peuvent être contenus. Blablabla. Alors là, apparemment, ça a été un succès. Après son rituel, il y a eu quoi? Voilà, l'orbe, voilà. Un esprit a été contenu pendant quelques secondes dans l'orbe qui s'est mise à briller de mille feux. Alors là, ça, voilà, ça c'est important. C'est pour ça que je vous ai montré la statue.
Parce que là, apparemment, c'est un manuel pour apprendre à transformer un homme en statue de bronze. On montre comment remplir de bronze un bras humain, en fait. Et ce sont vraiment des instructions très claires, comme une recette de cuisine, en fait. Et je pense que c'est important dans l'histoire. Je pense, hein, vu que je suis pas allée plus loin que bientôt. J'ai trouvé le modèle de la librairie, celui qui était dans l'entrée quand je suis arrivée en premier. Comment est-il venu ici? Est-ce que la présence maléfique qu'hier essaye de me le cacher? Donc là, je crois que la sortie c'est là, on s'en va. Et moi en fait, j'ai sauvegardé au moment d'entrer dans la librairie. Donc je ne suis jamais rentrée dans la librairie. Je l'avais mis à la place de la caravane, si je ne me trompe pas. Parce que ça collait bien en fait. Je l'avais mise. Ouais, c'est bien ça. Je l'avais mise à la place de la cave à vin. J'avais viré la cave à vin, je ne sais où. Et je l'avais mis comme ceci. Il me semble que. Non. Attendez. Voilà. Et que j'avais mis la cave à vin. Maintenant que je m'étais dit, je la mettrai au bout s'il y a besoin d'y retourner. Donc voilà, donc cette fois-ci on va y aller et là je suis complètement dans l'inconnu comme vous en fait, complètement. Le monstre m'attend dans les ombres, je peux presque l'entendre marcher entre les murs. Smox, je ne sais pas ce que ça veut dire, cela sent ma présence peut-être. J'ai entendu un bruit. Attendez, j'arrive plus à le toucher là. Bon, bah c'est super. Je vais toujours pas vous mentir, ce jeu m'a fait vraiment flipper. Donc je vais. Putain, AD, lâche-moi, saloperie. Va-t'en. Va-t'en. Ça suffit quoi. Ça suffit, c'est. Adieu. Et merde, je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas. Putain. Pourquoi ça marche pas là? Oh. Oh. Attendez, je veux juste voir s'il n'y a pas moyen de sauvegarder. Comme ça. Échappe. Ah! Ok. D'accord. Moi, putain. Comment je fais là? Je suis complètement. J'ai cru que c'était lui. Non mais arrête! Arrête, espèce de faux homme. Donc c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. C'est pas celui-là non plus? Mais alors c'est lequel? Je suis curieuse, dites-moi, c'est lequel? Lequel c'est? Lequel c'est? AD. AW, putain de QWERTY, franchement, je ne comprends pas l'intérêt du QWERTY. Qui a inventé ça? Enfin, il avait un problème celui qui a inventé ça. Lâche-moi. Zut! Zut. Lâche-moi, arrête! Il va de plus en plus vite ou quoi? Je rêve? Non mais...
Zut, quoi. Zut. Le 18. Arrête de... Arrête. Ah! Laisse-moi tranquille! Meurs. Boum. Voilà. Méchant. Et j'ai trouvé, je sais pas ce que c'est, token, je sais pas, un truc en bronze très lourd. Je pense que, je crois que j'ai repéré un endroit pour lui dans l'entrée sous les escaliers. Ah bon? Avec les lettres KM. Ah bon, tu as repéré ça toi dans les escaliers, sous les escaliers. Parce que moi j'en ai pas le souvenir. Ah si oui. J'en ai le souvenir, je voulais même montrer. Donc c'est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça me guide. Ça fait peur. Ah, d'accord. J'ai failli être écrasée par le mur. J'ai trouvé un nouveau modèle avec du blanc et des murs de glace à l'intérieur. Incroyablement, cette pièce a flotté jusqu'à la table d'elle-même et s'est mis lui-même sur la table. J'ai peur que quoi que ce soit qui m'ait guidé jusqu'ici... Non, j'ai peur que quelque chose m'ait guidé jusqu'ici, mais je suis désespérée et sans solution. Je dois, d'une manière ou d'une autre, aller dans cette pièce blanche. Je peux manipuler les autres chambres sur la table pour créer un chemin. Mais les pièces semblent avoir un ordre particulier. Bon, bah ça va pas être trop compliqué, je pense. J'aimerais bien, cependant, aller voir. Par pure curiosité, à quoi ressemble cet endroit ? Photographie du manoir en construction. Ok, il n'y avait rien. Curiosité est un très vilain défaut. Ne faites pas ça dans la réalité, ça pourrait vous coûter la vie. Où est-ce qu'on va? Bah, sur la table, on va créer un chemin. Hein. Ça me semble aller là. Ça ressemble un petit peu à ça, là. Ouais. Et ça, à mon avis, ça va là. Voilà. Et donc, c'est à gauche. Là, il y a du sang aussi. Il y a beaucoup de sang, donc... je veux bien, moi, mais... Voilà. Je ne peux pas sauvegarder. Je vais refaire les chats. Ah, attendez. Résume. Lotgale. Contrôle. J'espère qu'il y a des sauvegardes automatiques parce que j'ai peur qu'on meure. En plus, il m'a bien blessé l'autre fou là. Attendez, ça doit être par en bas qu'on passe en fait. J'ai dû me tromper. Attendez. Je suis où là? Je peux voir la table? Non! Débrouille-toi! Débrouille-toi. Je ne vois qu'un seul endroit. Je ne vois qu'un seul endroit qui pourrait être par là. C'est ici, en fait. Voilà. Trop bien. Quoi? Rien du tout. Ok, d'accord, ne paniquons pas, mesdames et messieurs, nous sommes dans un jeu trop flippant, et je sais pas trop comment on va s'en sortir. Oh là 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 là, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est fermé. J'ai trouvé une porte fermée, un globe, des supports de globe, et une série de portraits identiques d'une femme.
chacun avec une description bizarre. J'ai peur qu'un esprit frappeur soit en train de me tester. Un esprit un peu tordu peut-être, je ne sais pas. Frappeur, tordu. Menteur. Ok. Une énigme. Nous sommes foutus. Seulement une des descriptions dit la vérité. Ok, d'accord. Ah, oh, comment ça peut être rigolo. La Jacqueline qui... La Violette dit la vérité. Ah, oh, ça me rendait dingue ces trucs-là. La Violette appartient à celui qui est à gauche. Jacqueline en violet, en vert ment. Qui est verte. Toi, tu es verte. Attendez, attendez, j'éteins. Oui, c'est la verte. D'accord. Troisième. Toi. La bleue est honnête. Il n'y en a qu'une seule qui dit la vérité, c'est ça? Il n'y en a qu'une seule qui dit la vérité. Donc, elle dit que la bleue est honnête. Mais si elle ne ment pas, elle ment. On est d'accord. Donc, à mon avis, on n'a aucune des deux qui a raison. On va dire la bleue et la blanche. D'accord, elle me dit où c'est. Elle me dit où c'est. Elle me dit où c'est. La violette, donc c'est de là on vire. Donc on garde la rouge et la verte. Dans le troisième en partant de la gauche. Ensuite tout à fait à droite. J'aime pas le vert. Troisième en partant de la gauche. Aïe! Aïe, ah, je suis pleine de sang. D'accord, donc celui totalement à droite. Attendez, j'ai dessiné cette entrée avec des mains tremblantes et pleines de sang. Un piège a été déclenché alors que j'ai posé le globe. J'ai dû faire quelque chose de mal. Je suis sûre que ce globe est relié à la porte, mais... Cela serait en vain d'essayer ceci de manière totalement aléatoire. Alors que je bande mes blessures, j'ai remarqué un livre sur... J'avais déjà remarqué ton livre, mais voilà. Je suis pas douée en énigmes. Voilà, donc j'ai utilisé la rouge, donc on va prendre la verte. Je suis totalement à droite. Je suis trop nulle en énigmes. Voilà, donc c'était la verte qui avait raison, donc comme quoi... Statue de bronze pendu. Oh, que c'est mignon. Que c'est mignon, que c'est mignon. Le book s'ouvre sur une illustration d'un enfant terrifié de regarder sous son lit. Et le diable l'attend en dessous. Vous m'excuserez, j'ai plus très envie de lire ces bouquins. On les connaît déjà, c'est très bien, j'aurais pas à les lire, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ceci est un homme. Ceci est un homme, voilà, voyez ça. Ils sont où? Ils sont... Oh putain. Ah, oh, j'aime pas ce jeu, mais je vous jure, je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas, ce jeu. Ça fait trop peur. C'est rare qu'un jeu soit aussi bien fait. C'est vraiment rare. Est-ce que vous savez où je dois aller ensuite? Vous n'êtes pas là. Enfin si, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. J'ai peur. J'aurais dû demander à quelqu'un de faire le jeu avec moi. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, on y va. On y va, on est dans la cave à vin, c'est trop bien, j'attends la cave à vin. Pourquoi je peux pas avancer? J'ai... Putain de merde. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là.
Je vais chanter. J'ai peur que je chante. Je vais chanter des comptines. Non, je sais absolument pas ce que je vous raconte. D'accord, il n'y a rien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je suppose qu'il faut qu'on aille là. Oh, des symboles un peu étranges. Non, on va faire ça plutôt. Vous voyez, je préfère faire ça. Là, c'est quoi ça? L'ordre des quatre tons, c'est quoi, Pierre? Je devrais recréer le bruit du verre d'une manière ou d'une autre. Oh putain. Je vais monter le son. Je vais monter le son. Ah ça, ça me fait peur. Ça. Ting, ting. 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 Ting, ting. Attendez, est-ce qu'on peut me les remettre pour que je les réécoute? Vas-y, on fait réécouter. Je vais monter le son. Faites réécouter. Les deux plus aigus sont à la fin, le plus aigu est à la toute fin. C'est quoi ça qui monte? Et le plus grave est tout. Le deuxième est le plus grave. Ok. Ça, ça fait quel son? Tu tombes! Tu tombes! J'arrive pas à la faire tomber. Comment on la jette? J'ai pas lu du coup, ça m'avait perturbé. C'est comme ça que j'avance. C'est assez foncé. Hein. C'est grave. Très aigu, c'est le dernier. Le deuxième à gauche, c'est le dernier. Très grave, j'ai l'impression que ça c'est le deuxième. Ça. Ah, je sais pas si c'est pas plus aigu. Aigu. Je dirais 1, 3, 2, 4. On essaye. On essaye. Hein, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais rebaisser le son au cas où vous m'entendiez plus. Parce que ça me fait peur. Je vais monter un petit peu comme ça.
fait du bruit un truc là. Voilà, ok. Sauvegarde automatique. Sauvegarde automatique. Pitié. C'est quoi ça? Putain, ça me fait trop peur. Ok. C'était pour nous aider dans l'énigme, mais en fait c'était déjà bien expliqué en bas. J'ai essayé de leur expliquer calmement que ce n'était pas la mort. Ils vivaient encore. Encore plus plein qu'avant. Encore plus pleinement qu'avant. Même s'ils m'appellent monstre. Ils n'apprécient pas ma contribution. Faire des hommes des statues de bronze, oui, c'est normal qu'ils t'appellent monstre. Son truc de verre là, espèce de fou. Je vous montre les peintures parce qu'elles sont belles. C'était quoi ce bruit? Encore la même avec un monstre là. Nous sommes dans la fameuse pièce. Je perds ma voix, excusez-moi. Excusez-moi. En fait, je perds tout là. Non, c'est... Voilà, je m'embrouille. Zut, t'aimes pas ce jeu. Y'a rien. Ce jeu ne me plaît pas. Du tout. Je n'aime pas ce jeu, il me fait trop peur. Je tire une vitre. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis finalement arrivée dans la pièce blanche remplie de murs de glace. Il fait froid. Et c'est rempli de quelque chose. Et ça sent le sang et le métal. Contrairement au reste du manoir, on ne peut pas confondre cet endroit avec une maison. Son endroit est clair et ne peut pas être, ne peut pas y avoir d'erreur. Des gens meurent ici. Absorber la lumière autour. Une orbe peut contenir une âme pour quelques secondes, les statues pour des années. Quand le rituel est tenu dans le Craven Manor lui-même, les limbes signifient la vie éternelle. Une sorte de tranquillisante. Il met les gens dans des statues de bronze pour... Souviens derrière moi. Pour contenir leurs âmes pour toujours. Je veux pas être une statue de bronze. Je veux pas, non. Ah non, non, je veux partir d'ici. Avec leurs os collés et leur peau fine, la scie et le marteau m'ont appris combien ils sont fragiles. Les corps terrestres sont destinés à pourrir. Remplis de sang et apparemment... Il y a eu un usage intensif. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment glauque. Je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille. Et c'est là que je regrette. Parce que... Merde! Parce que ça devait être le destin, en fait, que mon montage est foiré et que PewDiePie l'ait fait juste après. Parce que j'aurais dû regarder sa vidéo, je ne vous l'aurais certainement pas fait, et j'aurais trouvé autre chose. Je sais pas, j'aurais trouvé un autre jeu sympa qui fasse pas peur. Putain de merde. Des fois, le destin, il faut l'écouter, il faut le laisser faire. Ok, physiologie, chronologie, vision.
Ne jamais contredire le destin. La prochaine fois que ça plante, je réfléchirai à deux fois et je me dirai « Pourquoi ça a planté ? Ça bouge, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça se referme derrière moi en plus, putain !» Pardon. Là, je suis un peu bloquée, je sais pas quoi faire. Je suis complètement bloquée en fait. Oui, mais une... Ah si, d'accord, il y a en dessous. Oh ! Oh, cette voix qui a été usée aussi. Oh, yo. Ça brouille, moi. Bon, attendez, ça me donne le tournant, cette lumière-là qui clignote. Il y a un truc sur lequel je dois cliquer, j'ai pas encore cliqué dessus, ou... Je sais pas. Il me manque un truc, là, je suis bloquée. Je run où moi? Putain, déconnez pas. Ah, lâche-moi là. Mais je cours, mais je fais que ça. Putain de merde. Arrête. Oh, je suis de côté. Arrête, putain de merde. Shift. Ça suffit maintenant, c'est moi qui contrôle, c'est... Lâche-moi, merde! Merci, pardon. Ah, putain de clavier QWERTY. Je vais mourir. Allez. Ah, je peux pas courir. Ah, je suis coincée. Oh, attends. Je peux pas, là. T'as vu les droits que tu me fais utiliser pour faire AD? Non, mais déconne pas non plus. Attends, si tu veux que je m'enfuis, laisse-moi 2 minutes. Voilà. Je sais pas, mais je sais où je suis. Utiliser ces deux doigts là, hein, pas les utiliser, tu vois, espèce de jeu de merde. Clic gauche, clic droit, c'était pas plus simple pour s'échapper d'un monstre, franchement, parce que là, je vois pas comment tu veux que je cours et que je fasse ça en même temps. Je vais pas y arriver. Ah, j'ai mal au doigt maintenant, merde. Bon, je sais pas, là, il faut m'en lâcher la souris, j'en sais rien. Shift, je vous jure, je fais Shift W et AD de merde aussi. Voilà. Ah merde, ça me saoule. J'y arrive pas. Pardon. Se devenir folle. Mais arrêtez, changez, je sais pas. Les murs bougent derrière moi. Putain. Je viens d'où là? Si on me laissait me concentrer un petit peu. C'est très simple. On va rester super calme. D'accord, et on va prendre les choses calmement. On va prendre les choses très calmement. Là, c'est bloqué, ok? Je touche le mur, ça ne fait rien. Je touche le mur, pas de solution. Regardez, la musique de cette musique stressante. On va faire ça calmement. Regardez si je... Calmement, j'ai dit, hein, calmement. Ici, c'est bloqué. Ici, il y a un pendu. Je ne sais pas s'il était là tout à l'heure. Je suis un peu plus calme sur là. L'endroit dans lequel je suis déjà venue jouer.
sac là, j'ai rien à faire avec ça. À gauche, il n'y a pas de sortie, donc on revient en arrière, on va continuer sur la droite. Ça remet dans tous les sens, mais...
exit. Mais t'as vu le truc là? J'ai l'impression d'être paumé, moi. Je veux pas dire. Je ne vois aucune sortie. D'accord avec moi, on a tout fait, hein. J'ai rien fait pourtant. Ça, je l'ai même lu. Ça, je peux pas le faire. Je voudrais aller m'intéresser au plan d'une à peu plus près. Si je trouve. Il semble que c'était bientôt, mais que c'était mon genre. Toujours rien, pas de. Pas de trucs à attraper, pas de trucs à tirer. Mais non plus, hein, je passe au travers. Zut. Je peux pas choper un truc et le balancer sur l'orbe peut-être. Là-dessus pour le détruire. Je sais pas, ça me paraît très... ça me paraît très bien idée. Détruire ça, comment je peux faire? Je peux même pas le prendre. On va partir à la recherche d'un truc à balancer dessus. J'aimerais bien le détruire. Avec ce verre qui bloque là, ah c'est énervant. Quelle heure, quelle heure. Il va falloir que j'arrête. Ah merde. Ah
sauvegarder. Je pensais pas que ce serait aussi long, je pensais pas que je serais bloquée comme ça. Là, je pensais qu'on allait mourir. Mais pas que j'allais être bloquée, je pense que ça. Écoutez, la sauvegarde va faire planter. Je vais couper l'enregistrement avant de sauvegarder, vu que ça fait couper ma vidéo, mais que ça reste sauvegardé. Afin que la vidéo ne soit pas corrompue, tout faire un montage de ça, déjà. Ça suffit, je vais pas vous faire tourner en rond pendant 150 000 ans. On va s'arrêter là et je vais sauvegarder après. Je pense qu'il faut détruire ce truc. Comment ? Je ne sais pas. Je vais vérifier ça et surtout la prochaine fois. Parce que là, il faut vraiment que j'arrête. Bon, bah j'espère que ce passage vous aura plu, au moins. Et je vais m'arranger pour que vous ayez la suite. Je ne le mettrai pas et j'essaie de vous faire demain. Je ne sais pas, je vais essayer. Est-ce que vous l'aurez la semaine prochaine? La semaine prochaine, évidemment, j'essaierai de tout le mettre d'un coup, je pense, plutôt. Quitte à le mettre deux jours d'affilée. Vous ayez tout. Voilà, donc je vais chercher une solution pour faire ça et au pire je le prends vraiment toute seule. Si je trouve pas, ben, comme je vous ai dit. Donc je vais couper là et sauvegarder et on reprendra ensemble. J'espère que ça a marché, sinon je le ferai toute seule de mon côté. Et je recevrai l'enregistrement ici. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien d'ici là. A bientôt. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Craven Manor. J'avoue très sincèrement que j'ai hésité à vous faire la suite et à pas tout effacer tout simplement parce que après l'avoir fait 4 fois, bah voilà, maintenant tout le monde l'a fait et franchement je me suis dit que ça deviendrait peut-être un petit peu saoulant pour vous. Mais bon, c'est un très bon jeu, les autres marchent pas, donc voilà. Puis j'ai été voir comment on fait pour passer. Je sais pas si ça a bugué. Puis si ça buguait, je recommencerai du début ou j'effacerai tout au choix. Non, je vais vous le faire quand même si je pense que du coup vous avez déjà vu le jeu parce que je l'ai vu passer au moins 5 fois. Vraiment, tout le monde l'a fait, donc au moins pour ne pas m'être spoilé la fin, je pense que du coup je vais vous le faire quand même. Donc je suis vraiment vraiment désolée du coup que vous vous retrouviez avec un jeu alors que un jeu que tout le monde a déjà fait alors que du coup ça fait 5 fois que je le vois, donc vous l'avez forcément vu au moins autant. Ah merde, ça me remet à ce niveau-là. Ah merde, ça m'arrange pas ça. J'avais pas forcément envie de refaire ce passage. Ok, au moins maintenant je sais ce qu'il faut faire. Ah zut, je m'attendais pas du tout à devoir recommencer ça par contre. Je m'y attendais pas, bon c'est pas grave. C'est pas grave, et c'est là que je regrette finalement de ne pas avoir décidé de tout effacer et de vous trouver autre chose en espérant que ça marche. Mais bon, vu que celui-là a un montage vraiment maudit et que ça avait quand même, que c'est un excellent jeu, vous savez là, que c'est un excellent jeu pour le moment du moins, et que voilà, donc c'est pas grave, vous en aurez un de plus, tant pis, je suis franchement désolée du coup que ça n'avait pas marché plus tôt parce que... C'est dommage en fait, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut rien. Donc...
J'étais un petit peu déçue, mais bon, c'est pas... C'est pas très grave. Où est-ce qu'il est déjà, l'espèce de fou, là? Putain... Ah, c'est vraiment un passage que j'avais pas aimé. Que j'avais pas aimé du tout. Et ça m'aurait embêté de pas vous trouver d'autres jeux et finalement de rien vous mettre du tout alors que j'essaie de vous faire celui-là depuis je sais pas combien de temps, depuis super longtemps. Donc voilà, ça m'aurait quand même embêté que vous l'ayez pas. Au pire, je vous mettrai tout d'un coup et j'essaierai de vous faire autre chose. Je vous mettrai un Doom avec, je sais pas, j'en ai d'avance. Je trouverai quelque chose à vous mettre en même temps pour me faire peur de nier. Doom, ça ira vite, je pense, l'upload. Voilà. Vous aurez quelque chose avec toutes mes excuses du coup. Comment je fais déjà là? Je suis paumée. Je suis déjà paumée, merde. Putain. Oh putain. Run, 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 run. Mais bah c'est bon, bah c'est ce que je fais, putain. Attendez, ça va partir ça. AD, aïe, aïe, aïe. C'est dans cette pièce, hein, je vous jure, c'est dans cette pièce. Ou alors c'est mon jeu qui déconne, je sais pas, mais quelque chose. Non, c'est pas ici. Mais c'est là, hein, je vous jure, c'est là. Hein. Vous aurez vu ce que c'est que de mourir, mais je comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Pourquoi est-ce que chez moi ça ne marche pas? Faut appuyer sur quelque chose. Bon bah finalement c'est très bien que vous ayez les autres et que tout le monde les fait parce que vu que je suis bloquée et que j'y arrive pas. Pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas? Il y a un truc qui me manque? Je comprends pas. C'est J, mon journal. Oui, c'est bien, mais encore. Ok, ça je vous l'avais traduit la dernière fois. J'avoue avoir du mal à saisir ce que je dois faire. Comment je le casse, c'était ça la question. Ok. Il y a forcément un moyen. Quelque part. Oui,
Alors, la question est, qu'est-ce qui me manque au juste? Je déteste ce passage, je déteste tellement ce passage, putain. Ça fait pas si je mange. Ah, ça fait pas des... Lâche-moi avancer. Laisse-moi bouger. Me tue pas. Merde. Oh, il m'a coincé dans le coin. J'arrive pas à bouger. Putain. Mais attendez, non mais c'est une blague. Non mais vous voyez là, je fais comment pour passer? Il y a ses bras là. Putain, ma poussière. Je suis coincée, je vais mourir à cause de ça. Je suis complètement bloquée, je suis pas bien. Cette blague. Il faut que je regarde la boule ronde en fait, ça fait de la lumière. Ça fait de la lumière quand je la regarde. Mais sans me faire coincer par la bestiole. La bestiole, oui. Ah non, j'y suis pour rien là, j'étais complètement bloquée, je pouvais rien faire, vous avez vu, franchement, c'est ce que vous voulez faire là, je peux ni à gauche ni à droite, m'agenouiller pour passer par en dessous, je peux rien faire du tout, rien du tout. Je suis totalement prise au piège, complètement. Bon, moi je connais le chemin par cœur maintenant, c'est l'avantage. Alors, la question est... Bien, j'avais réussi à faire bugger le jeu la dernière fois. J'aurais bien aimé qu'il reste buggé en fait. Parce que c'était tout de même plus simple, je trouve, personnellement. C'était quand même plus simple de n'avoir pas de monstre pour m'attaquer. Et là je reviens et ça me fait apparaître l'espèce de foule. Non, je vais là. Non, je connais le chemin par cœur, mais je me suis perdue. Bravo. Non, c'est là. Non, c'est là. Ah si, c'est là. Ah, là. Il y a du sang partout, il y a du sang partout. Putain, putain. C'est où que ça sort? Non, non. Là, ça fait de la lumière, à un moment ça attaque, ça attaque. C'est pas que... Ah, ah, arrête, 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 lâche-moi. Zut, reste bloqué l'autre côté. Reste bloqué. Boum. Alors là, on va réfléchir. Je fais quoi? D'accord, je l'ai fait débugger, c'est bon, ne vous inquiétez pas. J'ai fait une bêtise là. Alors avec T, on peut parler? D'accord. Ah, mais comment ça? C'est un truc où... Badji, c'est pas le moment. Ah non. T'étais buggé, toi. Pourquoi tu ne restes pas buggé comme tu l'étais sur... Mais je sais que c'est dans cette salle. Pourquoi ça me fait ça? Il y a un problème avec moi.
Je crois. Je vérifie que c'est pas buggé, au pire le réinstaller, j'en sais rien. Bon, on va faire ça. On va s'arrêter là et je vais chercher, au pire recommencer, voir si c'est un bug. Ben, je vous dis à tout de suite pour régler ce petit souci. Bon, alors, je vous confirme avoir fait exactement ce qu'il faut à chaque fois, normalement, donc je ne comprends absolument pas la cause de ce bug. Je ne comprendrai pas pourquoi mon jeu buggerait plus qu'un autre, même si tous les jeux ont l'air de bugger actuellement. C'est totalement incompréhensible, donc on va réessayer, et si ça ne marche pas, je ne sais pas du tout ce que je peux faire. Arrêtez là et vous trouvez autre chose, peut-être. Dans ce cas-là, je vous mettrai même pas ce que je vous ai fait pendant 3 semaines. Je vous jure, j'en peux plus, je le recommence à chaque fois et à chaque fois ça plante, ça me rend dingue. Ce jeu est maudit, complètement maudit, je ne me l'explique pas. C'est du grand n'importe quoi. Vraiment du grand n'importe quoi. Véritablement, c'est totalement inexpliqué. Totalement inexpliqué. Inexplicable même. Alors, ne désespérons pas, je vais finir par y arriver, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai envie de voir la fin de ce jeu, oui voilà, zut, j'ai vraiment envie de savoir comment finir. J'avoue que ça me ferait vraiment mal au cœur de... devoir m'arrêter là juste parce que ça bug en fait. Parce que c'est vraiment un jeu très très intéressant et je... Puis voir la fin par quelqu'un d'autre, ça me soulève un petit peu aussi parce que je sais pas, c'est un jeu qui me tenait à cœur de faire et si tu pourrais me finir. Oh Dieu soit loué, merci, 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 merci. Ça me dit quoi? L'esprit du monstre a été pris au piège dans une étrange orbe en verre et... Oh là 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 là, mon chemin s'est ouvert, mais je suis toujours... Ok, je vais... Oula.
ça l'a bien pris au piège, hein. Pourquoi ça tremble comme ça? Ça me fait peur. Ça, je l'ai déjà fait. Alors, attendez. Où je vais maintenant? Là? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit rien, d'accord. Pourquoi ça tremble? Je repars là? Je vais où? Je suis complètement paumée en fait, vous voyez, c'est... Putain, c'est un endroit qui me faisait peur en plus. Oh là! Oh là, oh là, oh là, il y avait pas ça tout à l'heure. Pourquoi c'est en feu? D'accord, c'était le jeu auquel il fallait pas que je joue en fait. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, d'accord, j'ai compris. Je n'ai rien dit. Je suis bloquée. Ah, je suis bloquée dans les flammes. Bon, attendez. On ne fait plus que des araignées, mon pire cauchemar est réalisé. C'est super. Bon. Ça va. Aïe. Get out, j'ai compris. Attendez, le sang sur mon écran m'empêche littéralement de voir où je vais. Dis-moi que ça va sauvegarder après, parce que sinon, sinon ça va pas le faire. Pourvu que ça ait sauvegardé après. Où est la sortie? C'est bien par là qu'il faut que je sorte ou pas? Parce que j'en ai aucune idée. Absolument aucune idée. Donc, voilà. Voilà. Oui, d'accord, donc je suppose que c'est bien par là. D'accord, donc ça s'est refermé derrière moi. Donc la sortie, c'est bien par là, ok. Donc je suppose que c'est bien par là aussi. Attendez, j'ai trouvé là. D'accord, il ne faut pas paniquer. Alors, les flammes ne sont que des flammes de jeux vidéo. D'accord. Il n'y a aucun danger. D'accord, je ne risque rien du tout. Putain, mais tu vas descendre, toi, je te clique dessus. Descends. Merde. Je vous prie. Tu es sûr, tu es une souris qui devrait répondre. N'est-ce pas? J'ai bégayé. Ah, j'adore. Bon, j'ai bégayé dans les flammes, putain. C'est pas possible. Je n'ai pas bégayé, c'est parce que c'est difficile.
panic, please. Je ne suis pas du tout en panique. Putain de merde, non! Lâche-moi! D'accord, d'accord, d'accord. Même principe, je suppose. Vas-y, fais-toi bouffer par l'ordre. On va faire ça en silence, merci. Merci beaucoup. Oh putain de bordel de merde. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur le destin ? Je le pensais vraiment. Je le pense toujours d'ailleurs. Sachez-le. Je le pense vraiment. C'est pour les chiens, je sais pas, c'est pour quelqu'un d'autre. L'échelle, c'est pour quoi? C'est pour me narguer? Je sais pas ce que je dois faire là, je sais pas où je dois aller. Je peux pas sauter donc c'est vachement pratique pour faire ça quoi. Vous savez quoi, je vais recommencer du dernier checkpoint, j'ai compris. Et je vais pas tomber. Ce sera plus simple. Ce jeu va être très long. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, on l'aura fait. C'est plus important. C'est plus important. C'est là que ça s'ouvre, non? Donc ça s'ouvre. Putain. C'est pas possible, j'y arrive pas. Ah, c'est là que ça s'ouvre. Ok. Bon. Peut-être qu'il fallait que je tombe. Ça me perturbe ces flammes, j'arrive pas à réfléchir, je peux pas réfléchir avec ça en face. Réfléchissons, attendez. Réfléchir.
fenêtre aussi. Je suis dans l'armoire, c'est trop bien. Je peux pas remonter. Je vois rien en bas, hein. C'est forcément haut, donc faut pas que je tombe. C'est ça. Bon. Oui, je suis sûre, je ne veux pas tomber. Mais j'ai l'impression que je peux pas forcément passer. Enfin, j'ai fait bien gaffe d'y aller de suite et de courir sans m'arrêter, donc voilà. Je vois pas trop. Je vois pas trop comment faire là en fait. Là ça a dû s'ouvrir. Là c'est bon. Arrêtez de faire trembler la salle. Je tombe dans les flammes, mais je quitte, mais je vous raconte pas. Je quitte, je m'en fous. Si je tombe, je quitte. Je vous préviens. Ne vous inquiétez pas si ça coupe d'un seul coup, c'est que j'ai quitté. Il y avait un checkpoint après. Pitié, il y avait un checkpoint après. Où est-ce que je dois aller? Je dois aller à l'orbe au milieu? C'est pas ça qui m'a tué? Qu'est-ce qui m'a tué là en fait? J'ai pas compris. Il y avait un checkpoint après. S'il n'y a pas de checkpoint après, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Va blesser là, putain, c'est quoi, c'est l'orbe? Je comprends pas, mais qu'est-ce qui m'a blessé? C'est l'espèce de mannequin là? C'est pas possible, ça peut pas être ça. Cette vidéo, ça aurait été n'importe quoi, une vraie galère, et vous allez voir que le montage va planter. Ah, s'il plante, je vous le refais pas. Ah non, là, ça c'est sûr, là c'est bon, là, j'ai ma dose pour ce jeu. Là, je vous laisserai voir les 5 autres qui sont sortis, parce que qu'est-ce que ça me dit, ça? Il m'a suivi dans l'entrée, je ne sais pas comment ça finit. C'est vrai, ça va finir, mais attendez, je vais rentrer. Aussi.
est là. Ah bah je dois le regarder au travers. Je vais le regarder au travers. Aïe. Il laisse pas, putain. Il y en a vraiment à gauche aussi alors. C'est obligé. Moi qui en ai une. Il y en a une par terre en bas là. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu, elle est de l'autre côté. Désolée, je vais m'occuper de lui après. Mais si je peux rien faire. C'est pas moi qui suis là. Pourquoi ça bouge comme si c'était moi? C'est là où ils fabriquaient le truc en bronze. Mais c'est moi que c'est pas moi. On m'a transformé en bronze? Pourquoi je suis sur la table? Mais comment ça s'est fait? Enfin, comment ça se fait que nous aussi on soit transformés en bronze? Il y avait plus d'hommes dans le truc. Ou alors depuis le début on en est un. Bon, bah écoutez, je vais voir si... Je vais abréger parce qu'il est en de plus en plus fort. Parce que... Non, je vois pas. Peut-être qu'on en était un depuis le début et qu'on a voulu mettre fin à tout ça. On n'a jamais vu nos mains ou quoi que ce soit, donc peut-être que ça se peut. Et bon, enfin bref, en tout cas, je vais essayer de ne pas faire planter le montage cette fois, sinon je vous mettrai autre chose. Je sais pas quoi, puisque rien ne marche. Hein, avec mon bug à 360, tout me fait ça, donc... Donc voilà, c'est totalement inexpliqué. J'espère que ça vous aura plu. Je suis encore un peu dans les flammes, donc voilà. Je vais aller faire autre chose, le temps de me remettre. Et en attendant, bah, je vous dis à bientôt. Je vous mettrai autre chose avec pour me faire pardonner de ne pas vous l'avoir mis pendant 2 semaines et de vous avoir mis un truc que du coup vous avez sûrement déjà vu. Par conséquent, j'essaierai de trouver quelque chose. J'espère que ça vous aura plu quand même et que vous m'en voudrez pas trop du coup. C'est vrai que j'étais un petit peu déçue du coup. Mais bon, je vous souhaite une très très bonne semaine et plein de bonnes choses d'ici la prochaine fois. À bientôt, portez-vous bien.